Bonjour, ici la Menace Book, votre chaîne de booktuber préférée. Aujourd'hui, on va vous parler d'un livre qui est un sujet, disons, difficile, La Servante Écarlate. Je vous laisse avec Louise, Laïna et Marie. Louise. Et moi, c'est Laïna. Et moi, c'est Marie. C'est une œuvre écrite par Margaret Atwood et en cette journée des droits de la femme, nous allons voir comment ceux-ci ont été bafoués dans ce roman graphique. C'est pas dans une société dystopique où on déplore un problème de fertilité. Donc en gros, il y a trois grands types de femmes. Qui correspondent à trois grandes couleurs qu'on retrouve dans le roman graphique. Il y a les rouges, c'est les servantes écarlates, et on suit leur histoire à travers le personnage principal qui s'appelle Defred. Ensuite, on a les bleus, ce sont les femmes des commandants, et c'est elles qui ont un problème de fertilité. Et enfin, les vertes, qui sont les servantes qui s'occupent de préparer à manger et les chambres des servantes écarlates. On peut remarquer que dans le roman graphique, il y a de nombreux flashbacks qui nous permettent de retracer l'histoire avant cet univers dystopique. Durant ces flashbacks, les couleurs utilisées sont beaucoup plus claires et vives, tandis que dans le roman en général, les couleurs utilisées sont beaucoup plus sombres et obscures. Notre avis sur ce livre, c'est qu'on l'a très bien aimé. Le fait que ce soit un roman graphique, ça nous permet de bien visualiser l'univers dans lequel les femmes sont. Et c'est très émouvant, c'est très poignant parce que ça nous permet de réfléchir à notre société actuelle. Insensible, s'abstenir. Il peut y avoir des images un peu choquantes qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes plus fragiles que d'autres. Voilà, c'est déjà la fin. En tout cas, ce livre nous a bien fait prendre conscience de la place des femmes et de leurs droits dans la société. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau update lecture. N'hésitez pas à liker et partager et... Abonnez-vous !